Bonjour, bonsoir à tous, et ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon let's play sur le jeu Banished saison 2. Alors, on va relancer le jeu. Allez, hop, on a un nouveau laboreur qui arrive, d'ailleurs, pile au bon moment. Ouais, pile au bon moment, pas forcément, mais au moins il arrive bien. Alors, la dernière fois, on avait commencé à régler ces problèmes de bois, de manque de matières premières, notamment de bois en fait, surtout. C'est surtout le bois qui ne voit pas. Alors, on avait commencé à régler tout simplement en utilisant des... en mettant des maisons un peu ailleurs. Aux emplacements de travail en fait. Et finalement ça aide bien. Bon là il y a un avion qui passe dans le ciel, c'est ça de vivre à côté d'un aéroport. Et comme j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud, et ben voilà, je sais pas si vous l'entendez, peut-être pas. Peut-être que la qualité du son sera suffisamment bonne, j'espère bien. Oui! Tout le bois a été utilisé, ça y est, vous pouvez récolter du bois pour autre chose. En l'occurrence, le faire des outils, c'est hyper important, s'il vous plaît. Et le bois de chauffage, il y a urgence. Bon, maintenant, il faut de l'iron et de la stone. Ah, on a un nouveau laboureur. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait des nouveaux couples. Ce qui nous manquait atrocement, c'était des couples un peu plus jeunes. Alors attendez, c'était The Stone Cutter. Évidemment, si j'ai plus assez de Stone Cutter, ça va pas aller. Mais la mine, elle fournit pas énormément en fait. Hein. 17 d'iron. Mais comment j'ai fait pour produire du... J'ai produit du blé dans une mine. Expliquez-moi, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe dans cette mine? Qu'est-ce qu'ils foutent? J'ai produit du blé dans une mine. Déjà, rien que le fait de dire cette phrase, c'est très étrange. Ah, on a un nouvel enfant, c'est très bien. Bah du coup, on est remonté à 50. Oui, bon, je sais qu'on est complètement over capacité, mais dès que j'aurai construit le marché, déjà, ça nous permettra de nous faire un nouveau hub. Et en plus de ça, ça permettra de dispatcher jusqu'à 10 000 unités de biens jusqu'ici. Et c'est non négligeable, j'ai envie de dire. C'est non négligeable. Bon, après, j'aimerais bien que vous me récoltiez tout ce petit foutoir là. Allure. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire après. Bah, faut vraiment que je... Oula, le bois de chauffage qui est vraiment à la ramasse. Ça va pas du tout. Ça va vraiment pas. Rends-moi du bois de chauffage. On a un enfant qui est né. Le bois de chauffage et la nourriture commencent à être un peu la ramasse. Je ne comprends point. Est-ce que je vais avoir l'iron suffisant? Oui, ça y est, ils vont pouvoir construire le marché. Alors, il y a un puits dedans, mais c'est un puits, comment dire? C'est le puits qui sert à rien, c'est juste décoratif. C'est pas un puits comme celui-là qui permet d'éteindre les incendies. Rah, Old Age, c'était un mineur. Bon, c'est pas très grave. Mais là, il y a problème. Là, il y a problème, j'ai la nourriture qui fait des yo-yo. Ce qui m'embête. Et j'ai plus de bois de chauffage, mais genre plus assez, on est en été, il m'en faut beaucoup plus. Alors, c'est parti, on va pouvoir mettre un vendeur, on va malheureusement devoir... Oh, Fisherman qui meurt. Alors, le vendeur en fait c'est juste un mec qui va faire des allers-retours pour échanger. Voilà, on a du bois. Ça va vous permettre d'engranger des ressources, à ce niveau-là et pouvoir travailler à partir d'ici. Bon alors, j'ai des problèmes d'outillage aussi. Très important. J'ai plus de fer. Cette mine produit que dalle. Je sais pas combien il lui faut de personnes pour produire correctement quelque chose. Là pour l'instant on est à la ramasse.
va devoir récolter. Non, récolter. Iron, on va le faire à la main. J'aurai jamais assez. Bon, le bois remonte. La nourriture aussi. Ce sont des bonnes nouvelles. J'ai perdu un farmer. Attendez, il y a des trucs qui vont plus. Rien ne va plus. À la limite, les farmers, j'en ai pas trop besoin. Alors, les outils, ça y est, ça revient. Et ils arrivent à se réoutiller, à peu près. Je suis pas très bien. Donc là, ils dispatchent des biens, ce qui leur permettra, ce qui permettra à ces habitants-là de ne pas trop avoir à se déplacer. On va d'ailleurs faire une autre maison. Il me faut de nouveaux couples parce que là, on va de toute façon, là, on a 9 enfants qui arrivent. Déjà, c'est bien parce que je préfère avoir beaucoup d'enfants parce que ça veut dire beaucoup de jeunes qui peuvent aussi faire des enfants. Et ensuite, il va falloir que je m'occupe de cette partie-là. Clairement, il faut que je m'occupe de cette partie-là. Rah ! Un mort encore. C'était un farmer. Ouais, et là, c'est chaud parce que... Ah, voilà. Il y a un laboureur. Là, c'est chaud parce que, en fait, j'ai plus assez de bois de chauffage. Donc, ça va pas. Pas assez, oula. Que se passe-t-il chez moi? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui vient de se casser la figure dans ma chambre. Je ne sais point ce que c'est. Ok, donc ici il y a des trucs. J'ai pas un builder qui peut s'en occuper là? Ah si, je crois qu'il y en a qui s'en occupent. Allez, construisez-moi cette maison. Il y en a des trucs chez moi là. 30% full. C'était un farmer. Je suis en train de perdre tous mes fermiers. Ce qui est assez problématique. J'ai pas assez de bois. Attendez, on va faire un truc. Une fois qu'il aura fini la maison. Ça nécessite combien? C'est le Forester Lodge, ça nécessite pas de fer, ce qui est avantageux en fait. Parce que je suis trop à la ramasse au niveau du fer. Ouyolo. Allez, ça va tout droit. Ça va tout droit et vous me lancez ça. Et finissez cette maison. Il me faut plus de Forester Lodge que ça. Je vais profiter du nombre de d'adultes, enfin du futur nombre d'adultes pour pouvoir mettre de nouveaux Foresters parce que là on est trop à la ramasse. Le mode chauffage qui est trop juste, beaucoup trop juste. De même que le Blacksmith, je sais pas ce qu'il fait. On a encore perdu un mineur. C'est la débandade. Je suis à combien de 18. Ouais, j'ai des gros problèmes démographiques. C'est vraiment le truc qui nous tue au final, c'est pas le froid, c'est pas la comment ça s'appelle, la nourriture ni rien. C'est une fois qu'on s'est joué, c'est vraiment les problèmes démographiques. Si je gère mal ma démographie, bah c'est fini. En l'occurrence, je crois que j'ai assez mal géré. Le blacksmith n'a pas d'outils. C'est un comble. Il ferait quoi? Il frappe avec sa main sur le... Ah, un laboureur. Oh. Ça dispatch. Log, iron, tools... Ouais. C'est clair que ça m'aide pas. Ok. Toc. On a un laboureur. Ah ah, on a de nouveaux laboureurs. On en a même plein là qui... Ça y est, ils sont en train de popper tous en même temps. Ça fait pop pop pop, ça naît dans tous les coins. Enfin, ça naît pas, mais en tout cas ça... Putain, on va mettre deux maisons, comme ça sera les...
Les maisons, attendez, il y en a combien? Combien ça demande? Oh, bah, un farmer qui est en train de mourir encore. J'aurai jamais assez de bois. Toc, on va récupérer un peu. J'ai baissé un peu au niveau des nombre de personnes. Voilà, la nourriture, elle arrive. J'arrive pas à outiller tout le monde non plus, hein. Il y a des problèmes d'outillage. Un fisherman qui est mort. Sauf que je suis en train de descendre, on est passé à 47. Ça ne va pas, j'avais pourtant bien démarré, mais là... 20 tombes. 20 tombes. Il y a presque autant de morts que de... Ouais, non, il y a un tiers de morts pour deux tiers de vivants, presque. C'est monstrueux. Alors... Un laboureur supplémentaire, ce qui est cool, remplace le fisherman. J'ai pas de problème avec ça. Trouvez-moi du bois. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est l'avantage. Ah, ça y est, le Forester Lodge arrive. Le Forester Lodge arrive. Oui, enfin, bientôt. Quand ils ont fini de construire le truc. Ça devrait pouvoir nous sauver, entre guillemets. J'espère que ça va produire, parce que là, c'est la galère. Ah, blacksmith, ça y est, on a le blacksmith qui est mort. On est foutu. Hop, on va remplacer le blacksmith. Alors que j'avais presque réussi à régler le problème des citoyens sans outils. Yes, le Forester Lodge qui est bien. Bon, maintenant, il faut qu'il me fasse des maisons pour le Forester Lodge. Il faudrait que je me fasse une Gather Hut. C'est toujours bien. Et du coup, il faudra plus de Foresters. Il faudra que j'en mette 4. 4 Foresters, et c'est obligatoire. Sans ça, j'y arriverai pas. Et après, il y aura l'iron. Une fois qu'on aura récolté tout l'iron. Et là, j'ai l'impression qu'il travaille mieux depuis que j'ai un peu dispatché à l'aide du market. Voilà, du coup, ouais, voilà, ça équilibre un peu. 95% full. Quoi? 5000 de poissons, mais oh! Oh la vache! Ça fait beaucoup de poissons. Ça fait vraiment beaucoup de poissons. Il y a une maison, on a un herboriste et un vendeur, donc c'est bien, c'est pas loin de chez eux. Ok, le blacksmith que j'ai remplacé est mort. C'est la débandade. Oula. La nourriture a été pas mal consommée. Bon. Je vais diminuer un peu la vitesse. Pour me permettre de travailler un peu plus efficacement. Parce que là, on a des problèmes. Encore. On n'a plus de firewood. Genre plus du tout. Le problème de base, en fait, vient du fait qu'on n'ait pas de sorted logs. Donc, évidemment, ici, il doit avoir froid. On n'a pas de bois de base. Donc, évidemment, pour trouver du bois de chauffage, on s'en voit un peu. Faut que je produise plus de bois. Mais sauf que j'ai plus personne pour à gérer. Ah voilà. Toc, déjà 5. Allez, casse-toi. Ok, donc là on va avoir le droit à des couples encore. C'est bien, il réorganise bien. Le jeu réorganise bien, ce qui est très cool.
faudrait des laboureurs en plus. 4, je regarde les années qu'il faut. 4, 3, 2, 8. Ah, c'est bientôt ça. 9, on en a un bientôt aussi. On va bientôt avoir aussi des gens qui vont mourir. Malheureusement. Ouais. Là, il manque du bois de chauffage. Parce que j'ai vraiment plus assez de bois. Je sais pas où il part. Parce que pour moi, il part que dans le blacksmith. Enfin, quand même, il prend pas tout. Il prend tout ? Bon, bah, je vais demander à mes. À mes builders qui sont en fait des laboureurs vu qu'ils ont rien à faire et ils ont rien à faire de s'occuper de ça. Donc on a 11 enfants. On est en début d'été, il faut vraiment qu'on règle ce problème de bois de chauffage. Alors, on a un nouveau laboureur. Toc, Forester. Ça produit que dalle. En tout cas, ça produit pas grand chose. C'est assez incroyable cette faculté à me bouffer mon bois. Je sais pas où il part. Il y a un trou noir quelque part sur ma partie. Un trou noir qui n'aspire que du bois. Ce qui du coup m'embête parce que j'ai un peu la nourriture qui commence à entre guillemets descendre. Et on va dépasser les 10 000, on va passer en 11 000. Allez, passez à 11 000 parce que là, de toute façon, avec ce que vous allez récolter, ça devrait aller. Il n'y a plus de bois, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ah, attendez. Où est mon... Non, c'est pas là. Forester Lodge. 120 ? 120, quoi ! J'ai perdu un fisherman. Comme j'ai des problèmes de nourriture, méfiance. J'arrive pas à passer la barre des 50 habitants. C'est grave. 23 tombes. Allez, c'est la fête. Tac, Forester. Bon, c'est la galère, c'est la grosse galère, encore un laboureur, donc, ah non, j'ai cru que ça venait à arriver, non pas du tout. Je ne sais pas trop quoi faire du coup, parce qu'on ne peut pas bouger tant qu'on n'a pas réussi à réguler les productions consommation au niveau du bois et du bois de chauffage. Je peux pas bouger, je suis bloqué. Je suis malheureusement bloqué. Andor, farmer, fisherman, farmer. Qu'est-ce qu'ils foutent là, fisherman, tout ça? Ils sont trop loin. Il n'y a pas la place ici? Pourtant ils sont à 4 sur 4. Hein. On dirait que ça produit pas énormément. C'est vrai qu'il y a plus d'arbres ici. Là il y en a moins.
Ça fait 20 minutes. Ah, on est passé à 51. On a réussi à atteindre les... à dépasser la barre des 50. Bon, par contre, je sens qu'on va bientôt redescendre en dessous. On a toujours d'énormes problèmes de bois. Parce qu'on est en automne et je vais pas avoir de firewood en stock. Limite, il doit y en avoir dans toutes les maisons. Donc, entre guillemets, ça va, mais ça part tellement vite. Tellement vite. Donc ça va pas vraiment, en fait. Ça va... Ouh, mais 33 ? Mais d'où ça sort ? Attendez, attendez, attendez. D'où que ça peut sortir, 33, là ? Il y a quelqu'un qui... Il y avait un voleur de bois et ils ont tout sorti d'un coup ? 40 saisons 76, alors qu'on est à la moitié. Ils sont que 3, et là... 24... Si ça produit moins... Parce que ça produira plus avec le temps, j'espère. Ouais. Mais je sais pas trop quoi penser en fait. Bon, on est en train de perdre tous nos farmers. Child, 0. Je regarde les. Quand est-ce qu'il devrait arriver. Ça va être un peu long. Ah, le mec de 12 ans qui vit tout seul. Non, c'est une nana d'ailleurs. 12 ans, elle vit tout seul, toute seule chez elle. C'est sympa. C'est très très sympa. C'est aussi exceptionnellement glauque comme peut l'être ce jeu. Enfin. On va du coup arrêter là l'épisode. On commence à réussir à réguler un peu la production de bois. Bon, par contre, ce que j'arrive pas à réguler du tout, c'est la production d'outils et de bois de chauffage. Et il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on règle ça avant qu'on s'attelle à quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas trop quoi faire, en fait. Je ne sais pas trop quoi faire. J'aime bien la pluie qui est arrêtée, qui est figée, quoi. Je ne sais pas trop quoi faire. Parce que niveau nourriture, ça a l'air d'aller. Au pire, s'il faut, je fais un truc de pêche ici. Je lance la production de la Gather Hut ici. Donc j'aurai de nouveau possibilité de récupérer de la nourriture. Je sais pas trop quoi faire. Il faudrait peut-être que je fasse le trading post. Parce que si je peux acheter du firewood en remplacement, ça peut être pas mal. Je pourrais vendre un peu de nourriture en surplus. Parce que clairement, j'en ai en surplus. Hein. Même si je préfère en avoir largement en surplus, je pourrais vendre cette nourriture en surplus et ainsi faire un bénéfice en achetant les... Enfin, pas forcément faire un bénéfice, mais acheter du firewood. L'autre chose que je pourrais faire, c'est vendre des plantes médicinales. Parce que j'en ai beaucoup. D'ailleurs, j'ai plafonné alors que, voilà, je pourrais mettre à 600. Ces plantes médicinales, je pourrais les vendre pour acheter du firewood. Enfin, on va voir tout ça, on va voir tout ça. Bon, bah, on va arrêter là l'épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, à me suivre sur Twitter, je tweet de temps en temps. Et voilà, quant à moi je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde !